Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la deuxième vidéo d'inspiration Sailor Moon avec Sailor Jupiter. Donc, la coiffure est assez simple. Elle a une queue de cheval avec deux espèces de perles vertes. Moi, j'avais pas de perles, donc j'ai pris des petits pompons verts de chez Action. Voilà, et je les ai cousus sur une pinette, donc on va les mettre tout de suite. On fait une. Et voilà, je suis coiffée. Mon chien piétine en haut, il m'énerve. Donc, le thème de Sailor Jupiter, c'est la foudre, donc on va faire des petits éclairs. Bien évidemment, mais j'ai envie de partir dans un make-up un peu plus spécial. Je crois qu'on va dire ça comme ça. Donc je me rapproche un petit ch'touille et on attaque. Donc je vais prendre la Ursi. Je vous mets le lien en barre d'infos et le swatch and make-up. Et on va être lourd d'ailleurs. J'ai fait les deux sont sortis pour vous. Et je vais utiliser le vert ici qui ressemble pas mal à la couleur, je pense, de sa robe. Voilà, puisque c'est vert et son nu est rose, donc on mettra du rose sur les lèvres, tout simplement. Alors, je vais prendre ma nouvelle petite astuce au lieu d'utiliser des scotch, la règle, la latte. Mais, voilà, j'ai envie de partir comme ça. On va essayer d'éviter de passer sur le sourcil. Ok, alors je prends un gros pinceau. Alors, j'ai pas mis de base. Donc j'espère que ça tiendra. Donc, attendez, mon miroir est mal mis. Je vais commencer par ici, ça sera plus simple. Heureusement que c'est pigmenté. Et je vais jusqu'à la tempe. Et... Ok. Et là, je veux faire quelque chose de très carré aussi dans mon coin interne. Et bien sûr, on en met sur toute la paupière. Ok. Et ça marche nickel. Alors, je vais essuyer pour ne pas me faire des traces. Oh, ça y est, j'ai mis des coules. Et je repars ici du coin externe jusqu'à la tempe aussi. Bam. Alors, je vais quand même prendre un pinceau biseauté assez large pour bien refaire ma forme ici. Et mon ras de cils. Que je veux vraiment que ce soit carré. C'est la forme que je voulais. En fait, au départ, je la voulais plus. Mais bon, on va la laisser comme ça. Alors, bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, il faut trouver juste pour faire à la même hauteur. Parce que le problème, c'est que quand je me base sur mes sourcils, c'est que mes sourcils ne sont pas identiques. Hein. Je vois rien de ce que je fais avec ma main. Mais c'est un peu plus large de ce côté-ci. Hein. Je vais juste essayer de rectifier un peu ici. Ok pour ça. Donc, on en a fini avec les fards. Enfin, presque fini avec les fards. Je vais prendre le Get Wet... Skin Sheen de Be Perfect. Alors, je vais en mettre sur ma paupière. Je vais bien sûr en mettre en coin interne aussi. Et en tant qu'highlighter, tout simplement, puisque j'ai pas mis d'highlighter. Mais je mets juste ici en dessous et ici au-dessus. Je vais d'ailleurs en mettre aussi ici entre les sourcils. Voilà, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Coin interne. Et voilà pour le liner noir.
Ensuite, alors, on va passer au éclair. Ouais. Je vais juste coller un strass argenté de chaque côté pour faire, puisque elle a l'antenne qui sort là, avec sa petite bouboule. Donc, je vais faire ça et les éclairs partiront de là. Voilà pour les petits strass. On n'a pas fini avec les strass, hein. Mais d'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire ça d'abord. Ouais. Alors, je vais prendre des strass. Non, attendez. Parce que de base, j'ai préparé des verres, mais je pense que ça ne ressortira pas assez. Donc, je vais juste prendre des strass noirs. Je vais faire ça hors caméra. Je vais faire un triangle comme ça. Enfin, je vais faire le coin ici. Et certainement un petit peu ici. Je sais pas. Je vais coller mes strass noirs et je reviens. Donc, voilà pour les strass. Finalement, je suis revenue sur, sur l'arête du nez. Enfin, sur le haut du nez. Voilà, j'avais envie. Alors, j'ai déjà préparé mon mixing avec ma poudre argentée de chez Meron. Et on va commencer à faire les éclairs donc qui partent de la boule ici. On va déjà les faire vers le bas. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc, bah, c'est juste des traits pas très droits avec des branches. Voilà pour les éclairs argentés. Alors, j'hésite à voir si je remets du blanc à l'intérieur, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Non, je pense que je vais les laisser comme ça. Ok. J'ai un bobo au nez. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, le symbole. Le symbole, le symbole. Donc voilà à quoi ressemble celui de Mercure. C'est une espèce de 4. Très joli. Je crois que c'est le plus beau des symboles. Alors, je mets quelques points de colle pour le stabiliser. Bon, la colle était pas toute, elle était déjà à moitié sèche, donc ça tient pas. Je reprends mon fard vert que j'avais utilisé juste avant. Je sais pas pourquoi la palette elle claque comme ça à chaque fois. Et je fais le même principe que dans le groupe d'avant. J'applique du fard partout. Bien sûr, j'estompe les bords. Je reprends mon highlighter et je vais faire le tour avec l'highlighter. Je retrouve plein de verres, de fard à paupières vert dans mon highlighter. Boubou, cacabou. Et je vais en mettre un peu à l'intérieur du symbole aussi. Voilà. Alors, on enlève. L'avantage, c'est qu'il tient pas. Et voilà. Très joli. Alors, je vais coller des strass verts à l'intérieur du symbole, puisque là, on reste vraiment dans le vert. Mascara, crayon, je vais mettre du vert. Et sur les lèvres, du coup, je vais mettre le Peony des Milani, comme ça, parce qu'il est assez rosé, je trouve. Il ressemble bien au nœud qu'elle a sur sa tenue. Je fais tout ça. Fossile, je vais mettre aussi ceux de chez Shein avec du vert dedans. Voilà, on va rester dans le vert aujourd'hui. Et je viens vous remontrer ce que ça donne tout de suite. Et donc voilà le look que j'ai interprété pour Sailor Jupiter. J'adore. Bon après c'est du fer. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte de savoir. Voilà, voilà. Donc demain on se retrouve avec Sailor Mars. Je dois vous avouer que celle que j'ai le plus envie de tourner c'est Mercure. Parce que l'idée que j'ai eue, j'ai trop envie de la mettre en pratique.
Là, c'est leur Mars, il faut que je travaille encore un peu l'idée. Je ne suis pas encore fixée sur ce que je veux faire. Voilà. Bref, donc on se retrouve demain de toute façon pour la troisième Sailor. J'espère que celle-ci vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour me montrer que ça vous plaît. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À activer la petite cloche. Et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On se retrouve demain pour Sailor Mars. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous.